Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre disposition. Que nous puissions nous retrouver dans le lieu céleste en Christ, au moyen de la foi, dans la parole promise. Alors nous sommes venus parler de ces choses glorieuses parce que ici nous avons besoin de la vie. Et la vie n'est qu'à celui qui avait dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». En dehors de lui, c'est l'obscurité, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dispose et nous nous disposons aussi en s'abandonnant à ses pieds, en disant « Seigneur, accorde-nous ce que la chair et le sang ne peuvent pas nous accorder, afin que nous puissions se retrouver dans ce lieu et parler de ces choses au-dessus de la montagne de l'éternel. » Souvenez-vous, on était en train de parler sur l'idolâtrie conscient et inconscient et le culte des créatures. Donc, cela veut dire que c'est un grand enseignement. On ne veut pas se limiter là où on s'est limité le dimanche passé. Il fallait qu'on puisse continuer ça. Et vraiment, je m'excuse. Le problème que nous avons, c'est le problème d'un tableau. Donc, nous avons besoin d'un tableau pour essayer un peu d'expliquer ce qui se passe et puis tout dessiner là-bas pour qu'on puisse donner des années, des précisions, des choses qui se passent, et comment est-ce que l'illumination est en train d'œuvrer et comment est-ce que des choses, toutes ces choses de loge, et pour expliquer l'état de l'Église, pour expliquer la masse de l'Église, pour expliquer comment est-ce que Christ s'est identifié dans des âges et comment est-ce que Christ s'est identifié, c'est personnifié ce soir dans son épouse parole. Ouais. Donc, pour voir quelle position que l'Église devait avoir, devait obtenir, devait posséder. C'est pourquoi nous parlons souvent de la position en Christ, non la position aux Églises. Donc, voilà la raison pour laquelle que nous insistons sur ça. Des fois, nous sommes mal compris. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes. Ce sont les Écritures qui nous justifient. Ouais, donc c'est ça le problème dont nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc si vous êtes justifié par vos propres pensées, là, sache que non, vous égarez les hommes. Parce que la pensée de Dieu est une folie pour les hommes. C'est pourquoi les hommes qui se sont allés aux universités, nous sommes allés aux universités pour étudier Dieu. Donc moi, je pense que c'est peut-être pour avoir comment commencer, développer et conclure. Sur une prédication ou soit un enseignement, pas communiquer la vie. C'est pratiquement impossible. On ne peut pas aller là-bas pour étudier comment communiquer ou transmettre la vie du Christ. C'est pratiquement impossible parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu esprit. C'est le grand esprit éternel. Et on ne peut jamais en aucun cas aller étudier le Créateur par le créature. Le créature ne peut pas scientiser les créateurs. C'est pratiquement impossible. Vous comprenez cela. Donc, la science de Dieu, c'est un mystère. C'est un grand mystère. Voilà. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'Élie, les prophètes, les saints prophètes est venu pour sonner de la trompette. Et par cette trompette que nous recevons la révélation du Seigneur Jésus-Christ. De tous les mystères scellés de la Bible, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et divulgué ce soir. Souvenez-vous, on avait parlé de ça quand je parlais à Daniel. Dans Daniel chapitre 12, il a dit, Daniel, va, repose-toi, ces choses seront restées scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel chapitre 12, si vous lisez là-bas, Jean le divin aussi, il a voulu écrire et parler de ces choses. Lui qui était ravi dans l'île de Patmos pour nous écrire ce livre de la Révélation, l'Apocalypse. L'ange de l'Éternel lui a dit, Jean, celle ce qu'on dit, les sept tonnerres ne l'écrit pas, c'est pour le temps de la fin. Voilà. C'est pourquoi les gens qui ont rejeté la voix du septième ange sont en train de tâtonner. Si vous les suivez en train de prêcher la révélation, l'Apocalypse, il vous dit, l'Antichrist est là, l'Antichrist viendra. Donc ils sont en train de tâtonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la lumière du jour.
C'est pourquoi on a voulu continuer avec ce chapitre de l'idolâtrie inconscient et inconscient, le culte des hommes, pour essayer de clarifier sur ces choses, parce que c'est vraiment très capital pour l'Église qui est l'épouse du Christ. Vous comprenez? Donc ici, ne vous comparez pas aux doctrines humaines qui ont fait, qui ont donné naissance à plusieurs églises, à plusieurs dénominations. Ne vous confiez pas, c'est pourquoi le Seigneur disait que nous ne vous confiez pas aux hommes. Les hommes que le Seigneur disait que nous ne puissions pas nous confions à eux, se confier à eux, ce sont ces églises avec leurs doctrines, avec des différentes doctrines qui égarent. Vous comprenez? Nous voulons, si nous aurons notre tableau, et par la grâce de Dieu, si vous pouvez nous aider aussi d'y avoir, vous voulez un bon tableau là-bas, vous comprenez? Et nous allons expliquer ces choses-là et vous allez comprendre que c'est vraiment très important et de comprendre la marche de ce monde ici. Comment est-ce que les choses évoluent spirituellement et c'est ce que nous voyons physiquement et c'est ce qui a fait, c'est qui fait en sorte que les hommes sont arrivés aujourd'hui à adorer des politiciens. Et ils n'arrivent pas. Et parmi eux, les politiciens, vous allez voir qu'il y a des autres qui parlent là-bas et ils ont la domination de 2002. Ils ont eu la domination de dominer même le président de la République. Quand ils viennent, ils lui disent des choses, ils n'arrivent pas à décider. Et ils vont tenir compte peut-être après des mois, alors que le peuple souffre. Voyez, donc on a vu ça dans des songes, mais on n'est pas venu parler de ça. Peut-être on parlera de ça l'autre jour. Soit on va faire des vidéos pour expliquer des songes que le Seigneur nous a montrés. Si toi, ce qui concerne notre pays, et vous avez entendu même d'autres prophètes de notre pays, à Ghana, j'espère, il y a un prophète qui a parlé de ça. Mais, et les gars, il aura la passée simple. Et à cause de quoi? Parce que ces gens-là sont là. Et vous, quand vous priez, il fallait briser ces pouvoirs-là pour arriver à se faire sortir. C'est pourquoi ces mots-là, prenez-vous en charge. Les gens pensent que donc, c'est simplement une déclaration, mais c'est dans l'esprit et dans le physique. Donc, nous devons changer notre manière de prier. Donc, il y a votre télé, mais là-bas, tout le monde est boyé. Au Bazana Komba, ministre. Ouais, dans des gouvernements, au Bazana Komba, mandateur. Ce sont eux. Ouais. Au Bazana Komba, ministre, dans l'église, comme nous sommes. Ouais. Donc, si on n'est pas ici dans la parole, sachez-le, c'est pour faire souffrir les gens. Avançons. C'est pourquoi on a voulu un peu. Essayez un peu de vous dire que non, il n'y a pas moyen qu'on puisse continuer sans les tableaux. Donc, on peut se parler de l'importance, de valeur, de fille, de Dieu, et par rapport aux femmes immorales. C'est très important chaque fois qu'on parlait de ça, que non, vous, fille de Dieu, nous voulons, c'est que vous puissiez comprendre votre place ici. La place que le Seigneur vous donne, et vous montrer comment est-ce que le diable veut ce que vous puissiez être son outil. Vous la carte et loco y a zorulukana osale la. Ouais, pourquoi il a commencé ça où ici? Tout au début, dans le jardin d'Éden, souvenez-vous. Quand il était venu, il n'était pas allé vers l'homme. Il est parti vers la femme. Ouais. Il est venu avec un esprit de séduction, de l'égarement, pour égarer qui? Une fille de Dieu. Vous comprenez? Qui était bien enseignée par le Seigneur lui-même. Elle était une femme responsable, mariée, à qui? À Adam. La femme que l'Éternel Dieu a donnée à Adam. Mais remarquez, pour qu'il puisse arriver à séduire cette femme, elle n'a pas commencé directement par l'acte. Non. Il n'a pas commencé directement par l'acte, il a commencé d'abord par l'enseignement. Il a commencé à lui enseigner quelque chose mal interprété, une mauvaise interprétation. Et cette mauvaise interprétation, c'est ce qui a amené la femme à ouvrir sa matrice et d'écouter qui cet homme qui est venu avec son mensonge pour égarer la fille de Dieu qui était qui? Ève. Et comme elle s'est permis aussi de valeur que le diable lui donnait,
Parce que quand il s'est approché, la séduction, c'est quelque chose qui n'injurie pas, qui ne dénigre pas. Quand quelqu'un veut vous égarer, il vient avec de belles paroles. C'est comme s'il est en train de vous élever ou soit de vous honorer. Vous voyez? C'est ce que le diable a commencé ici tout au commencement, comme nous le voyons aujourd'hui avec deux gouvernements qui ont voté des lois, qui ont légiféré des lois qui font en sorte que non, vous ne pouvez pas toucher à la femme de paix. Non, je ne parle pas de toucher de la manière de frapper la femme, non. Frère Branham dit, celui qui frappe sa femme, c'est un païen. Il est considéré comme un homme qui est conduit avec des mauvais esprits. Tu ne peux pas élever ta main pour frapper ta femme. Vous êtes en train de pécher. Un fils de Dieu ne peut pas agir ainsi, de la sorte. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc cela veut dire, quand on est en train de parler de ça, cela veut dire, qu'est-ce que nous voulons dire? Donc, ils ont donné des libertinages à la femme pour lui rendre, pour lui donner, donc pour, non, en fait, pour qu'elle puisse dépasser les limites que le Seigneur Dieu a mis pour elle, pour la garder mère sainte, honorable et digne, selon sa propre volonté. Tout ça, ça ne vient pas de gouvernement là, ça vient de loges sataniques. Ce sont eux, ils ont bangonde, bango tchana place, parce que ça vient de là. Ça vient de la dimension d'en bas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait commencé tout au début ici. Avec qui? Avec la femme d'autrui. Il ne pouvait jamais arriver à séduire cette femme, Ève, sans pour autant couper ses baonnaires et à l'okuta. Des honneurs mensongers. Ce qui faisait que Ève voyait, c'est comme si elle est honorée plus que c'est l'honneur que Adam, le respect, la dignité que Adam lui donne. Et c'est ce qui a fait en sorte que, quand elle restait là-bas, en écoutant ses paroles séductives, ses paroles flatteuses, vous comprenez? Ces paroles, donc cela veut dire, ce qui a attiré toute ton attention, son attention. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'elle est le royaume dans Luc 17. J'aime parler de Luc 17, parce que ceux qui m'ont raté Luc 17 n'attendent pas toujours vivre. C'est fini. Si vous manquez Luc 17, verset 20 à 30, c'est fini. C'est la première promesse que nous devons retenir pour aujourd'hui. Parce que les pharisiens sont venus lui poser la question et les disciples lui ont posé la question. Il a donné la réponse pour le royaume et il a donné la réponse pour ces temps-ci. Comment est-ce qu'il va se révéler? Ouais, lui, le fils de l'homme qui était autrefois, et il a dit, va venir encore fils de l'homme. Vous voyez, pourquoi il disait ça? Il donnait des exemples de ce qui s'était passé au temps d'Abraham, au temps de Noé, dans son temps et dans ce temps-là que nous vivons. Dans ce temps dans lequel que nous vivons. Vous voyez? Avançons. Alors, il était venu avec des paroles séduisantes. C'est pourquoi si on lit là-bas, dans Genèse chapitre 3, parce qu'il y a beaucoup de versets ici, il y a beaucoup de chapitres ici, on ne peut pas tout lire ici. Mais on va écrire ça. Et vous allez prendre votre temps de lire. Ici, on est dans Genèse chapitre 3. Remarquez ce qu'on va lire. Là, on va lire ça. C'est très important. Je ne voulais pas simplement qu'on puisse commencer au début, mais je veux commencer à lire à partir de peut-être de verset 10 ou 15, Tinassé. Remarquez ce que Ève avait dit quand l'Éternel Dieu lui avait posé la question. Il a dit, le serpent m'a séduit. Donc cela veut dire, séduit pourquoi? Parce qu'il était venu, le diable incarné dans les serpents, comme Jésus dit aux pharisiens, aux scribes dans Jean chapitre 8. Vous n'êtes pas de fils d'Abraham. Abraham avait vu mon jour, il s'est triste.
il était dans la joie. Il a rendu gloire au Seigneur qu'il aura un fils de sa foi. Et ce fils-là, c'est celui-là qui viendra pour sauver sa postérité égarée. Sa postérité déchue. La semence d'Abraham, physique et royale, dont nous sommes, en Christ dans la parole promise de l'heure. Est-ce que vous comprenez? Je vous en prie, ne mettez pas ces choses de côté. Nous ne venons pas ici pour se montrer, nous n'avons rien de spécial pour vous montrer. Nous venons ici avec plein d'humilité, en se disposant au Seigneur, afin qu'il puisse nous... Donc cela veut dire nous faire souvenir des choses, soit les choses qu'on a mémorisées, peut-être attendues, oubliées, ce qu'on n'a pas encore. Tout ça, le Seigneur vient et nous donne ça afin que nous puissions être là comme vos instruments, à son service. Vous comprenez? Ne prenez pas ces choses, comparez ça, non. Prenez ça, examinez ça, examinez votre vie, marchez avec le Seigneur. Pour sauver vos âmes, pour sauver nos âmes, restons unis et prions les uns les autres. Et la puissance du Seigneur s'exercera au milieu de nous et nous aurons la réponse à tout ce que nous en avons besoin. Vous comprenez? Alors le Seigneur a dit ça à eux. Vous n'êtes pas le fils d'Abraham, vous êtes le fils du serpent ancien, le père du mensonge. Vous comprenez? Elle va dire là-bas, le serpent m'a séduit. Ça veut dire le diable s'est incarné dans les serpents. On a parlé de ça, je pense que la prédication est là. Quand on avait essayé de parler sur ce qui s'était passé dans les jardins de l'Éden sur la semence du serpent. Avançons. Et nous avons vu que c'était quoi? Remarquez, c'était des paroles. Vous voyez, des paroles, c'est ce que nous nous abandonnons aussi. On s'abandonne comment? Quand on laisse ces sens ici. Ces sens ici, c'est un sens très puissant. C'est un sens qui peut te faire pénétrer dans un autre monde dont tu ne t'es pas en compte. Tu es déjà en contact dans ce monde-là. À cause simplement d'une déclaration. Ici, c'était simplement un seul mot, réellement. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce n'est pas un mot. Laisse-moi préparer déjà Genèse là. Ouais. Ici, ce n'est pas un mot. Aujourd'hui, ce n'est pas question d'un mot. C'est plusieurs. Le monde pourri au possible. Vous comprenez? Donc, nous avons compris que non, elle a ouvert sa matrice parce que c'est par ici qu'on arrive à dominer, certes, à optimiser un humain, vous comprenez, parce que la source énergétique qui conduit l'être humain, qui peut faire en sorte que l'homme puisse être séduit, égaré, perdu, puisse... se séparer éternellement avec Dieu, tout c'est par ici. Vous comprenez? C'est pourquoi, souvenez-vous de l'histoire des trois singes qui éduquaient le monde. L'autre, il a mis ses mains comme ça. L'autre, il a mis sa main comme ça. L'autre, il a mis ses mains comme ça. Vous comprenez? Donc, si nous ne surveillons pas ça, ça et ça, c'est fini. C'est trois sens. Vous comprenez? On peut peut-être regarder et puis par la puissance énergétique de nos pensées, si ce que nous avons entendu, donc si votre réceptacle est la parole, vous allez voir que non, l'esprit du Tout-Puissant qui est en vous, par cette parole que vous écoutez, fera en sorte que non, ça va chasser ce que vos yeux ont regardé. Cela veut dire la convoitise des yeux. Peut-être ceux qui veulent vous égarer ou soit vous amener dans le mal ou quelque chose comme ça.
Vous comprenez? Vous pouvez peut-être prononcer une parole et ce que vous avez entendu, comme le Seigneur avait dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que vous entendez, si cela vient du trône, si cela est ce qui nous est révélé, c'est ça, ce qui vient du trône, c'est ce qui va faire en sorte que ça va dominer sur ce que vous avez prononcé, ou sur ce que vous avez voulu prononcer du mal. Et ça va stopper cela et vous allez vous repentir. Directement dans votre cœur, j'avais voulu dire quelque chose du mal. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oui, parce que votre prochain n'a pas encore écouté ce que vous avez voulu parler du mal. L'esprit l'a stoppé, la parole. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on parle du Saint-Esprit, c'est la parole bien interprétée, Christ. Vous comprenez? La plénitude de la parole. C'est ça l'évidence du Saint-Esprit dans cet âge que nous vivons. Et quand vous avez ça, c'est difficile de faire la compromis avec la parole. Oui, c'est vraiment ne pas avoir la connaissance de la parole, mais avoir la plénitude de cela veut dire, bon, on va parler de ça, avançons sur ce qu'on est en train de parler ici. Même si vous avez déjà prononcé une mauvaise parole vis-à-vis de votre prochain, vous allez voir que non, ce qui est votre entendement fera en sorte que non, vous puissiez vous examiner ou réfléchir sur cela et penser, voir, oh, j'ai mal parlé. Vous allez voir que non, cette parole, c'est votre réceptacle, cette puissance énergétique qui est en vous, qui vient de ce que le Seigneur avait prononcé tout au commencement. Vous comprenez que ciel et la terre ont été créés par elle, qui, j'entends, j'aime toujours retourner là-bas. Vous comprenez? Si c'est elle qui est votre réceptacle, la parole vivante de Dieu, dont le Seigneur avait dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole-là qui est la vie, Christ, votre lumière spirituelle, fera en sorte que non, vous puissiez vous ressaisir et dire, j'ai mal parlé à mon prochain. J'ai dit quelque chose qui est contraire aux Écritures. Le Seigneur me condamne. Comme la Bible le dit, si vous ne condamnez pas vous-même, comme nous avons l'habitude de le dire, si vous n'êtes pas sincère en vous-même, vous ne laisserez même pas devant Dieu, dit Frère Barthes. Vous comprenez? Dieu ne force personne. Si vous êtes sincère en soi-même, yomoro katikati na yo, soko yebiko, ici, j'ai mal agi. Ici, tu n'arrives pas à examiner ça. Même devant le Créateur, tu ne le seras pas. Tu seras toujours un trompeur devant ton Dieu. C'est ce qui fait beaucoup de gens derrière la chair le sont. Devant le Créateur, l'auteur de cette parole, à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas sincères en eux-mêmes. C'est ce que nous avons parlé le dimanche passé. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Le nom de Dieu, sa parole. Mais la vie de la parole, ils ne veulent pas. Comme le jeune homme riche, il aimait le Seigneur. Il voulait recevoir la vie du Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, abandonne tes richesses, ce que tu as acquis. Apocalypse chapitre 3, je me suis enrichi, je n'ai personne derrière, mais le Seigneur a dit, tu es pauvre. Ouais. Il avait besoin de prendre ce qui est spirituel auprès du Seigneur. Le Seigneur n'a pas refusé, il a dit, oui, je suis prêt à te donner. Mais pour que je puisse avoir la place en toi, il faut que les richesses que tu as, Ebima, te quittent. Que tu abandonnes ça. Vous comprenez? Voilà l'état spirituel du temps lequel que nous vivons. Du temps lequel que nous vivons. Ouais. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout le monde, vous, fils, filles de Dieu, vous aimez Jésus.
Vous aimez la prière. Peut-être que vous l'aimez parce que vous avez peur des démons. Vous avez peur des sorciers. Vous avez peur des mauvais esprits. Vous avez peur de la maladie. C'est pourquoi vous aimez Jésus. La puissance, le pouvoir, l'autorité, la force qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous citez cela, quand vous criez à ce nom-là, les démons vont fuir. C'est ça peut-être l'objectif, que vous aimez Jésus. Vous aimez aller à l'église. Vous aimez prier. Mais la vie du Christ, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le diable aussi, il est comme ça. C'est un religieux, qu'est-ce que vous pensez? Nous avons lu ça ici dans Genèse chapitre 5, 6, le fils de Caïn. Caïn aussi fit un religieux. Il est allé là-bas, il a fait son autel pour offrir à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Quoi? Son offrande à lui. Son sacrifice à lui. Il a pris aussi sa dîme et ses offrandes, il a apporté ça là-bas. Il a pris la dîme de tout ce qu'il faisait pour aller donner à l'éternel, comme vous voyez les gens là-bas, qui nous tuent au pays. Vous comprenez? Qui font que l'Afrique puisse être celle qu'elle est. Mais ils sont là des adorateurs, ils sont dans des églises. C'est pourquoi nous avons parlé ici que non, les gens aujourd'hui aiment avoir la lumière et les ténèbres. Cela veut dire, Apocalypse chapitre 3, que nous avons parlé le dimanche passé. Quoi? En même temps, il est froid, il est chaud. Mais qui est qu'une créature? Souvenez-vous de la chanson de notre grand artiste Frank Lassane. C'est juste essayer un peu de prendre l'exemple de ce qu'il disait. C'est un grand proverbe de nous. Africain, quand il chantait « Laissez tomber », il a dit que « Moi, Zali, na ma colomine, mais l'andaganzela, ben mon corps. Kasi, kasi, yo, ma colomie, balé, kaka. » Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il disait? Nous ramenons ça à l'aspect spirituel. Le chien a quatre pattes, mais toi, tu n'en as que deux. Tu veux maintenant prendre deux chemins. Donc, ça veut dire, prenons ça, même dans littéralement. Donc, ça veut dire, yo, l'ingo, ça balabala, mi balé. Toi-même, tu veux produire balabala, ce que l'eau boit, na, ou, sous, ou, tamo, na, on dit la mort. Soit tu veux prendre Kigoma, et l'autre là, au zoro, tamo, là. Je m'excuse, je suis grippé, vous allez m'excuser. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous allez m'excuser vraiment. Tu veux prendre toi-même. Non, c'est pratiquement impossible. Vous comprenez? Tu ne peux pas marcher avec deux rues à la fois. Dijmare, couche, autre roue, il y a populaire, il y a non, et aussi le matin. Ça ne va pas. Nous, pour le sait, c'est pratiquement impossible. It's difficult. It's impossible. Please, it's impossible. Tu ne peux pas. Vous comprenez? Parce que tu es noir, que tu n'as avec quatre pattes. C'est la moque. Mais les gens aujourd'hui, avoir ça et ça, c'est ça le système de diable qui a commencé ça ici. Vous allez m'excuser, vous allez prendre. Il dit que non, il fallait avancer avec nous, les filles de Dieu, mais comment est-ce que tu. Non, c'est le Seigneur, c'est pas moi. Je ne suis qu'un instrument. Nous devons comprendre ça d'abord et ça va nous aider. S'il faut terminer ça le dimanche prochain, on termine avant qu'on puisse avoir les tableaux pour continuer sur l'idolâtrie et le culte des créatures. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le diable est venu avec ça ici dans Genèse. Tout au début là. Non. Le jour où vous ne mourrez pas. Donc, cela veut dire, vous avez le chaud, mais le froid aussi est important. Je vous dis, non, prenez le deux, mettez ça ensemble. Quand ils ont mis ça ensemble, tiède. Et le Seigneur a dit quoi? En Apocalypse chapitre 3, tiède, tiède, j'ai été vomi. Voilà l'état spirituel dont nous avons aujourd'hui dans nos églises. Le Seigneur nous a vomi. L'état spirituel dont nous avons dans nos vies, le Seigneur nous a vomi. C'est pourquoi on prie, c'est comme si on ne prie pas. On prie, on n'est pas exaucé. Nous sommes là comme des jeunes hommes riches. Vous comprenez? Il veut garder ses richesses.
qu'il a acquis ça mal. Ouais. Et les autres sont arrivés même à vendre leurs droits d'aînés. Mais ils aiment rester aussi avec le Seigneur quand même. Mais le Seigneur vous dit, si vous voulez avoir des richesses qui durent éternellement. Le Seigneur, si on dit éternellement, tu possèdes ça ici et ces richesses-là, tu vas le retrouver aussi là-bas dans. Construisez des maisons dans un lieu où personne ne va les détruire. Vous aurez votre portion de terre, votre portion céleste, votre compartiment dans le lieu plus haut. Et quand vous allez revenir ici, dans Nouvelle-Jérusalem, vous allez vous retrouver joyeux ici et vivre une vie merveilleuse, sans fin. C'est pourquoi le Seigneur veut à ce que nous puissions d'abord posséder ça. Matthieu 6, 33, cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Donc le Seigneur veut que nous puissions posséder d'abord ça. Et quand vous possédez, le reste vous en avez. Mais maintenant, quand vous venez déjà avec ce que vous avez mal acquis, comment est-ce que le Seigneur serait capable de prendre la prééminence et la domination sur vous pour vous donner le royaume? Remarquez, le royaume commence d'abord par la repentance. Or, la repentance veut dire changer l'homme en c'est tout ce que vous avez mal acquis. Pour recevoir de lui ce que lui veut. Remarquez ce qui s'est passé ici dans Genèse. Vous voyez? Non. Si vous prenez, vous mangez ça, ce qui te l'est en haut, ce connaissance, nous allons connaître les biens et les mal. Voilà. Le froid et le chaud. Le bien et le mal. Les ténèbres et la lumière. Les mensonges et la vérité. Voilà l'état spirituel de ce temps ici. Comme il a commencé ici tout au début, aujourd'hui, il est dans son aboutissement. Vous voyez? Et quand il est dans son aboutissement, c'est pourquoi ce qui était autrefois spirituel, caché, on se faisait en cachette, maintenant, c'est vraiment à l'œil. Vous voyez? Et nous avons vu pour avancer avec ça, que nos gouvernements aujourd'hui, ils ont légiféré des lois presque partout dans le monde, surtout vous qui êtes en Europe ou en Amérique, vous savez, on ne touche pas la femme. Donc, on était là avec un chauffeur sud-africain, on roulait ensemble avec lui, il me transportait quelque part. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il me disait? Il a dit que non, ah! Bisoto, comme il aura besoin. Pourquoi il a dit, oh, mais non. Je parlais à une femme comme ça, il m'a dit que non, you abuse me emotionally. Donc, ça veut dire, tu m'as abusé émotionnel, tu sais que je peux t'accuser. You know, I can open the case for you. Il est en train de dire à ces gars-là. Ouais, et j'étais l'autre fois en Swaziland, et je parlais à une femme là, dans l'hôtel qu'on était resté là-bas. Et je parlais comme ça à cette femme-là, elle m'a dit que non, tu sais que ce que tu m'as dit là la nuit quand vous étiez arrivé, Abusakinga. Je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris ça quand le Sud-Africain me parlait. Donc, ça veut dire, il y a une caisse qu'on peut ouvrir pour toi que tu as abusé une femme émotionnelle. Et on t'arrête. Et tu serais là incarcéré peut-être pendant 6 à 1 année, soit 2 ans. Pour t'apprendre que tu ne peux pas jouer avec cette créature immorale. Alors qu'elle me répondait mal. Je suis son client. Je lui disais, mais ce n'est pas de cette façon que tu peux recevoir tes clients. On est arrivé ici la nuit, fatigué, ainsi de suite. Il fallait quand même tout ça. Non, elle a gardé ça le matin. Elle me disait que tu sais que je peux appeler la police pour t'arrêter. Voilà. Là où nous sommes. Et aux États-Unis, quand vous blaguez avec une femme comme ça, elle ouvre l'œil, les avocats sont là-bas. Il a abusé. Il a fait ceci. On te dit, à partir d'aujourd'hui, là-bas, tout appartient. Comme il y a un blanc qui reste dans le même immeuble avec moi. On lui a tout rapide. Il est devenu comme quelqu'un qui est, je ne sais même pas comment dire. Comme quelqu'un qui est halluciné comme ça. Donc, c'est là où des fois, il rêve. Ouais. À cause de quoi? Toutes trois voitures est partie. Il a perdu son propre attitude. Donc, ça veut dire sa parcelle. Et
Il est resté comme ça, il est redevenu locataire. À cause de quoi? C'est bien. D'un côté, pour éduquer des hommes violents, mais de l'autre côté, ce n'est pas correct. Ça permet maintenant à cette immoralité que le diable veut, à ce que le femme être puisse vraiment être à sa place. Et ça y est. Et c'est là, c'est la cause des divorces, la cause de permettre toutes ces choses que nous voyons. Dans des audiovisuels, audiovisuels même, à l'œil uni, comment est-ce que la femme se permet à se déshabiller sous forme de la mode, comme il l'a fait au jardin d'Éden tout au commencement. À faire d'Ève une femme immorale, une femme adultère. Vous comprenez? Tout cela a commencé par quoi? Quand on veut prendre la lumière et les ténèbres, le mettre le dé ensemble. Prendre le quoi? Le mensonge et la vérité. Ouais. Prendre le bien et le mal. Comme il a dit ici, vous connaîtrez le bien et le mal. Oui, il n'a pas menti. C'est ça qui. On a aujourd'hui, le Seigneur est venu. Il a dit, tu es froid, chaud en même temps. Le deux ensemble, tiède. C'est de la vomissement pour le Seigneur. Et il nous a vomi. Vous comprenez? C'est pourquoi il se tient dehors. Il ne peut pas se tenir là-bas. Oui, parce que nous sommes des chiens. Nous prenons ce qu'on avait vomi hier. On a fait des repentances. Seigneur, pardonne. Seigneur, je veux mettre à mes... Du jour au lendemain, on fait la compromis. Donc, on retourne encore à ce qu'on avait vomi. On mange ça. Et quand on mange ça, remarquez ce qui se fait. Pourquoi? Parce que on ne veut pas abandonner l'état animal, l'image animale. Vous comprenez? Ressemblance animale que le Seigneur ne veut pas. Il a voulu que nous puissions abandonner ça, répétir son image à lui, du Créateur, de fils et de fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on essaye de venir ici, insister de parler sur la femme, comme on a fait parler de ça, dimanche passé que nous allons parler de ça. Je pense que le temps ne permettra pas, mais nous allons continuer de parler de ça dimanche prochain, avec des preuves des Écritures, pour que vous, filles de Dieu, vous puissiez comprendre votre place conformément à ce que le Seigneur avait dit. Ouais. Lisons. Je lis ici. On est dans Genèse chapitre 3. Lisons et puis on va terminer. Ouais. Si vous pouvez lire, en commençant au premier verset, c'est bien, mais moi je vais simplement commencer à lire ici à partir du verset 7 jusqu'au 15. Nous lisons. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures, des feuilles de figuier. La religion des feuilles de figuier. L'habillement sous forme de feuilles de figuier. 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ce que nous avons parlé le dimanche passé. On entend les gens dire qu'il n'y a que le Gandam, je suis allé chercher Dieu. Oui, c'est bien. Mais le premier qui nous a cherché, l'homme ne fait que fuir son Créateur. Et le Créateur vient toujours chercher. Voilà, il est venu chercher. Il était venu nous chercher là, à Galilée. Il a donné sa vie à la cour. Il est venu vers le soir ici nous chercher. Il a envoyé son ange pour sonner de la trompette. Et les gens ont regardé, mais non, nous sommes quand même riches. Nous n'avons besoin de rien. Toi, tu ne peux pas nous dire comme ça, nous avons des diplômes. Et tout ça, nous avons des connaissances que nous avons acquises. C'est pourquoi vous voyez des chefs qui sont des chefs spirituels qui ont des amphithéâtres alimentés, ils contredisent les prophètes en interprétant mal les Écritures. À cause de quoi? À cause de la science qu'ils ont acquise ou aux universités et dans des doctrines pernicieuses, ecclésiastiques. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans son église, dans des églises, non. Dieu est dans sa parole. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si on abandonne ça,
on va donner une interprétation erronée et c'est la mort. Voilà. On continue. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, le Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres et des jardins, des églises. Oh, mais l'Éternel, le Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et je eus peur parce que je suis nu. » Voilà l'état spirituel de ce monde. État spirituel de nous, l'Église, des églises en fait, pas de l'épouse du Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Tu es nu, pauvre, aveugle. » Donc ça veut dire pauvre, aveugle, nu. Voilà, c'est une unité ici. Ici, c'était physique, mais aujourd'hui, c'est spirituel, c'est plus pur. Et le spirituel et le physique, ni les amakas. Qu'est-ce qui est plus fort? C'est le spirituel. Qu'est-ce qui est plus puissant? C'est le spirituel. Voilà. Avançons. À ce que je suis nu et je me suis caché. 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. L'arbre que l'Éternel a défendu dans Genèse chapitre 2. Vous mangerez des fruits de tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais quand le fruit de l'arbre, le fruit qui est mis, et cet arbre de connaissance du bien et du mal, n'entrons pas là-bas. Dimanche prochain, avançons. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Ouais. Et j'en ai mangé. Il y a des pronoms possessifs, il y a des adverbes, des manières, ainsi de suite. Il y a des adjectifs qui sont là-bas, qui expriment l'acte qui s'était passé et tous les gestes qui se sont émis. Donc ça veut dire émis là-bas. Nous sommes les cas qui ont une expression et ils ont awa. Mais tu vas le acte à ma bébé qui adultère à cause de quoi? Parce que séduction, il y a un qui toko, il y a un peu moi si le coup, mon anéga ma bé. De donner des valeurs à la femme, d'élever la femme, de dépasser même la place des limites que Dieu a donné. Ces limites-là, Dieu connaît comment est-ce qu'il nous a créés. Il a donné des limites à l'homme, il a donné des limites à la femme. Quand vous dépassez, cela c'est fini. Les limites que Dieu les a données ici, quand ils ont dépassé, la mort. La sentence, c'est la mort ici. Et nous avons la mort physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle est déjà là quand vous interprétez mal les Écritures et vous ne voulez pas vous repentir. Sache-le. C'est le Seigneur qui l'a dit. Vous voyez? C'est la nudité, c'est l'aveuglement. Et quand un aveugle conduit un autre aveugle, il y a boulou. Il y a perdiction, il y a molili. Tout. Vous comprenez? Hein? On avance. La femme a dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et comme le vieux l'a dit, petit, on a dit, toi, âge n'a été. Petit aboukani. C'est la séduction, c'est le diable qui l'a commencé ici, à détruire ici. Parce que c'est la porte du cerveau, c'est la porte de l'âme. Parce que l'énergie spirituelle qui est ici, qui contrôle les cinq sens d'ici et de là, c'est ici. C'est la porte ici. Quand vous avez la parole ici, c'est cette parole qui fera en sorte que vous puissiez dominer sur les tentations, les épreuves, même dans des songes qui viennent avec des envoûtements. D'autres visions, même pendant la journée, si vous pouvez voir que non, quelqu'un qui est en train de vous taquer de loin,
Ils envoient des attaques de loin, de notre pays, ainsi de suite. Ici, s'il y a la parole, vous aurez la capacité de repousser ça. Si pas, il va vous optimiser et vous infecter ou soit vous donner de la maladie. Et vous allez tomber. Parce que c'est la parole créatrice de Dieu qui est plus puissante. Vous pouvez prier, mais ceux qui vont vous faire sangler, vous allez vous. Mais si vous venez avec, il est écrit, comme le Seigneur, de voir que non, ils vont s'éloigner de vous. On avance. On était dans 12, non, dans 13. Maintenant, on part dans 15, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, il n'a pas posé la question au serpent. Non. Il a commencé directement à donner des sentences en commençant par là. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cela est ainsi parce qu'il était un animal qui était entre les chimpanzés et l'homme et le diable s'est servi de lui pour faire ce qu'il a fait. Et nous avons expliqué comment est-ce que cet acte s'est passé. Vous voyez, c'est comme ce qui se passe à des maisons mystérieuses, avec des maris de nuit, on optimise quelqu'un en distance comme ça. J'ai vu quelqu'un faire ça aux États-Unis en touchant une femme prostituée dans la main comme ça. Ouais. Et il a commencé à faire des gestes sans pour longtemps. Et la femme a commencé à sentir des plaisirs comme elle est en train de coucher avec un homme, en criant voire même. Et jusqu'à tel point que vous allez excuser, mais non, il a éjaculé par la main comme ça. C'est ce qui s'était passé. Quand vous pensez que non, le Saint-Prophète de Dieu, il est venu ici pour vous dire des choses simplement d'emblée. Non, non. Quand il prêchait cela, il voyait le jardin de Dieu. Vous voyez, la révélation du jour. C'est ce que nous sommes en train de parler ici, l'importance de l'épouse devant son époux. C'est ce que vous êtes, vous, fille de Dieu. Nous allons vous donner votre place maintenant. Terminons ici. Vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. Le diable vient vous tromper avec ses séductions en vous donnant des valeurs et des places et tout ça, en légiférant des lois pour vous, en disant que non, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes ça, vous êtes libre, vous devez vous détendre et faire voir vos jambes qui sont de beaux jambes et puis montrer vos seins, laisser cette partie s'être exposée, vos ventres, tout ça, et vos dos, comme nous voyons. Donc, des femmes qui partent là-bas avec du string et puis se montrer dans des plages et toutes ces choses-là, vous êtes mort si vous faites ça. Les Écritures le disent ici. La mort a pris place ici. Et aujourd'hui, cette mort, on ne l'attendait pas. Vous attendez simplement la mort physique. Au spirituel, vous en avez déjà. Parce que c'est ce qu'il est venu faire. Faire en sorte que les gens puissent mourir. Et Christ est venu pour que nous ne puissions pas mourir. Et quand ce temps va arriver, vous puissiez posséder la vie éternelle. Parce que vous ne possédez pas la vie éternelle, la mort, la séparation, la seconde mort. Nous avons lu Apocalypse chapitre 20 ici. Avançons. Amen. Ici. 15 maintenant. Je mettrai l'inimitié. Là, le Seigneur maintenant. Il a pris la place de sa fille. Parce que Dieu est miséricordieux dans sa bonté. Mais nous nous fouillons toujours la bonté de Dieu. Nous voulons prendre ça pour vivre avec ça, profiter de faire tout ce que le monde nous trompe ici. Mais pour prendre la vie qui est à l'intérieur de cette bonté, non. Nous pouvons prendre simplement cette bonté comme un chapeau. Après un certain temps, on enlève ça parce que Moïse a sauté le Mongoliango. Vous comprenez? Or, ce n'est pas question de prendre ça comme ça. Nous devons prendre ça comme une vie, comme notre peau, comme l'eau qui est dans notre corps. Avançons. Je pense que nous allons terminer et continuer ça le dimanche prochain. C'est difficile d'enseigner ici et tout terminer. Vous allez vraiment m'excuser. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Là, le Seigneur parlait à cet acte séductif, le diable qui se croyait obtenir et dominer les créateurs. Il ne savait pas que le plan de rédemption du Seigneur est tellement mystérieux.
Que Dieu soit loué. Entre ta postérité, je mettrai une limite entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Est-ce que la femme a une postérité? Posons-nous des questions. Dieu mystérieux. Et les gens qui veulent interpréter cette parole ici avec l'intelligence universitaire, ils vous trompent, ils vous égarent avec des bons français. Ouais. C'est pourquoi cette langue que nous parlons ici, les français, c'est une langue d'orgueil. C'est une langue d'orgueil, en fait, si je peux dire. Or, Dieu aime les humbles et fait miséricorde des humbles. Et pour les orgueillés, qu'est-ce que Dieu le fait? Il les rejette. Vous comprenez? Dieu les rejette. Et quand le Seigneur a rejeté, pour que Nanyazo, pour qu'il puisse relever, ouais, français, dans le monde entier, c'est une langue d'orgueil. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Il les rejette, ils abandonnent. Ils n'aiment même pas qu'un orgueilleux puisse s'approcher auprès de lui. Dieu aime ceux qui sont humbles, honnêtes, sincères en soi-même d'abord. Vous comprenez? Et remarquez, avec cette langue d'orgueil, tous les pays francophones du monde, prenons Haïti, prenons... ici, si le Canada est Canada parce que c'est mélangé, d'abord c'est l'Angleterre qui est comme qui chapeaute le Canada. Vous comprenez, il y a une partie anglophone et une partie francophone. Ouais. Et allez-y là-bas, découvrez partie francophone et partie anglophone, nous ne voulons pas entrer là-bas. Et tous les pays francophones d'Afrique, remarquez comment est-ce qu'ils sont. Peut-être le Maroc qui s'est c'est relève. D'abord, c'est un royaume, en fait. Et mais le reste, il y a toujours des problèmes. Toujours. Dieu résiste aux orgueilleux. On a beaucoup à parler sur la langue ici. C'est très important. Il y aura un enseignement que nous allons parler que sur la langue. C'est une domination. Vous devez aimer ce que vous êtes. C'est pourquoi on admirait beaucoup nos mamans Luba et nos papas Luba qui aimaient toujours parler à leurs enfants Chiluba. Vous allez voir même un petit enfant, un vieux comme ça, il sait comment parler Chiluba. C'est trop digne. Dieu vous a créé Mouluba. Vous devez être fier de ça. En Afrique du Sud, vous allez voir que non, quand un noir rencontre un autre noir, il parle dialecte, mais nous sommes fiers et à français. Tout ça, le à français. Une langue dominatrice. Donc nous sommes là, jusque là, on est colonisé. C'est pourquoi j'aimais le président Mobutu, nous sommes en meeting, nous sommes là. Vous comprenez? Et ça, là, quand il y a un mot d'administration, mais ça, là, il y a un mot de tu parles avec. Vous allez m'excuser. On avance parce qu'on va aller un peu trop loin là-bas. Donc, vous voyez? Donc, si on prend la langue portugaise, la langue de séduction. On peut prendre l'espagnol. Donc, chaque langue, les allemands, on voit la Bible. Vous voyez? Nous avons un lobby à votre inimitié. Dans mon moto, il y a Nyoka, il y a moi. Vous comprenez? C'est là où que le Seigneur veut à ce que qu'il puisse vous élever. Donc, on a 16 avant ça. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est là où que j'avais voulu que nous puissions arriver. 16. Et le diable est venu aujourd'hui. Il a dit pour faire en sorte que le fils, les filles de Dieu, les femmes, puissent devenir immorales, inutiles devant Jésus-Christ, leur Seigneur, leur époux. Ils ont voté des lois, ils les ont légiférées, et bah, ça lie en sorte que, bah, si, bah, le paquet est comique. Et notre président Fati, je vous ai écouté là-bas dire que non. Nous allons mettre en place l'émancipation.
Vous comprenez ça? Hmm? L'autonomisation, ça vient du diable. Il faut que je le dise ici. Un bon serviteur de Dieu va rester sur les Écritures. Tout ça vient d'où? Vient de l'auge. C'est le diable qui veut comme ça. C'est ça l'antichrist en plein jour, en œuvre, dans son aboutissement. Quoi? Tout ce que le Seigneur a dit ici, contredire ça. Voilà où cela a commencé. Ici, dans le jardin de Dieu. Non, le Seigneur sait que les jours... Non, beaucoup falté, mais lui, il n'y a plus place. Et les gens ne meurent pas. Il y a même deux morts, physiques et spirituelles, à cause de ça. Apocalypse chapitre 20 a dit, heureux ceux qui ont, n'ont pas part à la seconde mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas au trône du jugement, l'épouse du Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la compromis avec la parole. Il reste là, c'est ce que le Seigneur avait dit. Je vous ai annoncé d'avance, Matthieu chapitre 24, 15 à 25. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous êtes, vous représentez beaucoup. Et le diable est venu vous tromper ici, vous a dit non. L'autonomisation des femmes. Et nous voyons aussi, même dans des Twitter, il y a d'autres gens qui disent non, et il y a peu de gens dans les gouvernements, il y a peu de femmes et plein des hommes. Ils ont du fond de compagnon, et gouvernement, et Joseph Kabila, bah, écoute, mon qui est par rapport à Tshisekedi. Voilà les diables. Voilà. Voilà l'aveuglement spirituel. Tu es aveugle, nu, pauvre, malheureux. C'est ce que le Seigneur a dit. Et vous allez dire que non, on vous dit que non. La Odyssée, c'est celle de cet âge-ci. Les gens de d'autres églises disent, ils arrivent à même église Asie. Mais remarquez ce que dit les Écritures avec ce qui se passe. Vous ne voyez pas? Quand vous rejetez la révélation du jour que l'ange de l'Éternel est venu parler, prêcher, divulguer, révéler, et vous dites que non, ça c'est leur église. Ici on ne parle pas des églises, on parle de Dieu. D'abord quand l'ange était venu, il disait que son paroisse, c'était le monde, sa paroisse, on dit la paroisse, le paroisse, mais la paroisse, le paroisse. Comprends? L'église naïe. Vous comprenez? Il ne voulait pas qu'on puisse parler de Branham Tabernacle, non. Il a dit ça, c'est une église dénominationnelle. C'est l'église du Dieu vivant. Oui, parce que c'est lui le chef et le créateur, le fondateur de cette église. Ce n'est pas moi. Mais nous avons remarqué la Odyssée, les gens qui se sont enrichis, qu'est-ce qu'ils disent? Mon église. Il ne le dit pas dans le sens que non, c'est lui qui représente Christ. Non, dans le sens, c'est lui, Christ, le chef, le tout, le mentou, tout. Voilà les carrément. Ce que le diable a voulu ici. Et toi, fille de Dieu, avant que nous puissions vous donner des versets qui parlent de votre place, que le Seigneur vous a mis. Remarquez ici dans Genèse, tout au début, le Seigneur a pris votre place. Il a dit, quoi? Disons encore, parce que nous allons nous limiter ici, et puis nous allons continuer le dimanche prochain. Il a dit, quoi? 15. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Entre ta postérité. Ouais. Quand les gens disent que non, j'ai entendu un pasteur dans l'amphithéâtre qui disait là-bas, non, il niait l'élection. Il niait la préscience, la prédestination. Mais ici, c'est toujours ça, c'est l'élection. Ouais. Quand le malin s'est introduit ici, il a pris la femme d'autrui, passe la séduction, ces choses dont nous voyons aujourd'hui, qu'on est en train de voter, de légiférer dans des parlements mondiaux, et tout ça dans des sénats américains, et ils imposent ça partout dans le monde, c'est que Poutine, le grand président, ne veut pas, et le grand président UN, de Nord-Corée, il ne veut pas, Yangonde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de faire une femme un esclave. Je suis une esclave, non. C'est de lui laisser à la place que l'Éternel, le Dieu, veut à ce qu'elle puisse être parce que Dieu, il a honoré sa fille ici quand le diable l'a humilié. L'a déshabillé, l'a déshonoré, l'a amené à commettre l'adultère avec lui ici.
Le temps que l'Église a commis l'adultère, abandonné son Christ, l'époux, le fondateur et créateur de cette Église qui a donné sa vie, a payé la dot à la croix pour en prendre possession. Et il est venu là, il a dit, non, n'écoute pas, non. Si tu ne veux pas que nous, n'aille pas dans la capacité à couper, ça c'est un miracle. Et qu'on n'a pas profession, comment on a beaucoup ça là-bas, tu vas dire aux gens des histoires. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ont interprété première pile, seconde pile, troisième pile. Tilelo, au Kokoratin. Première pile, que le Saint-Prophète était venu avec ça, tout le monde le fait. C'était quoi? Des miracles, des guérisons et tout ça. Seconde pile, c'était le discernement des pensées, prophéties et tout ça. Ils l'ont interprété comme Jannès et Jambres, de Timothée chapitre 3. Mais quand on arrive ici, dans le troisième pile, il descend. Pour prendre la prééminence et l'autorité. Apocalypse chapitre 10. Ou à l'interprétation de la date. Oye, yo moutosa, froid et chaud. Quand tu viens ici, tu vas mal interpréter ça. C'est pourquoi tu attends quelqu'un qui dit l'antichrist est là, il n'est pas encore venu. Mais au lingo lobani. Voilà le problème. Terminons ici. Vous allez m'excuser. Très important. Saisissons ces choses. Et mettrai une limite entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Voilà Dieu mystérieux, miséricordieux. Dieu de bonté, il a commencé à gracier sa fille ici, l'Église dont nous sommes. Pouvez-vous prendre position à la parole et de ne pas écouter le diable quand le Seigneur a dit ici que non, dites à la femme, je mentais la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Est-ce que Bobo Tarana pas cité? Vous n'enfantez pas avec des douleurs. Maintenant, comment est-ce que, comme il n'a point Oyo, et tes désirs se porteront vers ton mari? Échanger maintenant. Ça commence à créer des lésibiennes. Et des autres côtés des homosexuels. Ici, parce qu'on a voulu contredire chapitre 3 de Genèse, verset 16 ici. Mais il dominera sur toi. Et ils sont venus l'autonomisation. L'émancipation de la femme, votée aux États-Unis d'Amérique, un pays déçu, dépourvu de toute sainteté. À cause de quoi? Ils se sont enrichis, ils n'ont pas besoin d'être loin. Vous comprenez? Mais nous aimons de qui? De Naboth, d'Élie et Tisbite. Pourquoi l'esprit d'Élie est là? Pour que vous puissiez résister à toutes ces choses-là? Si pas, pourquoi y a Awa? J'ai vu les filles, c'est une liste de filles du message, mais à ce moment-là, tu n'as pas de l'humanité. Pasteur, tu n'as pas de problème. Voilà. Mais, au bois qui est Timothée chapitre 2, là où le prophète Paul, lui qui a mis le fondement de notre foi, il a dit quoi? Comment est-ce que vous allez vous habiller? Nous allons lire ça le dimanche prochain. Et vous donnez votre place à vous. Que le Seigneur a commencé ici en vous élevant, en parlant de votre postérité, postérité de la femme. Et parler de ces trois races. Vous comprenez? Nous avons vu que non, par qui? Agar est venu le Samaritain. Et vous connaissez les Samaritains, ils sont là en Asie et tout ça. Vous comprenez? Et ils sont partout au monde, aujourd'hui nous sommes avec eux ici, ils viennent, ils sont là-bas au Congo, ils construisent des hôpitaux, et ils sont là, ils sont nombreux là-bas. Ouais. Et nous avons, qui sont sortis d'Agar, et nous avons le Juif, Israël qui est sorti de Sarah, et nous avons l'Église, l'épouse du Christ qui est sortie de Marie, celle qui est honorée, la Sulamite qui dépasse elle tous dont Salomon disait ici, comme les gens lisent ce livre ici, de Cantique des Cantiques, il prend ça comme des choses charnelles, non. Ce sont des choses spirituelles. Quand on lit ça, on voit comme si ça parle et dit ma chose de manière physique. On peut prendre ça, c'est un peu, dites-moi, c'est disant, non. Mais c'est Dieu qui parle à son épouse Israël, et Christ qui parle à son épouse qui est sortie du mari, la Sainte Vierge, la foi
de Jésus-Christ, dans la parole promise. On l'arrête là-bas pour continuer de cette postérité qui est sortie de la femme. La foi de Marie. Frère Branham avait prêché cette foi, Christ, la révélation du jour, l'épouse de Christ. Quand c'est qu'ils étaient sortis de Sarah, ils ont rejeté Christ. C'est ce qui s'était fait, leur mère avait fait. Quand Elohim, Dieu dans la chair humaine, était venu devant Abraham, discerna les pensées de Sarah qui était derrière lui dans la tente, et elle a dit quoi? Moi, est-ce que. Et ses fils, quand Jésus était venu, Dieu dans la chair humaine, il a dit ça, et eux aussi, ils ont fait la même chose. Les messies, abotamanaba, même wana, babisika modèle, on a tes aïe. Peu, ils ont crié, et le reste, ils l'ont crucifié. Les hésitations, le doute. Vous comprenez? Mais c'était lui, le fils d'Abraham, votre père. Vous comprenez? Mais l'épouse de Christ dans ces temps, c'est la même chose. Il est resté là. Il est sorti de Marie du tabatin. Il examine chaque chose selon les Écritures. Il n'accepte pas, elle ne croit pas selon l'ainsi dire. Parce que moi, je suis sorti de l'université. Là, quand on prêche vraiment, on place les choses, tu vois vraiment qu'elles n'ont. On a dit ici, et puis c'est l'essentiel, et puis bien coordonné. Ici, Dieu est mystérieux, mon frère, ma soeur. On ne peut pas parler de lui selon ici. Non. C'est lui qui vient, il prend la prééminence et il vous dit selon ceux qui vont vous écouter. Parce qu'il connaît chacun de nous. Vous comprenez? On ne peut pas prêcher là-bas pour faire plaire à vous. On est en train de vous tuer. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur soit miséricordieux envers nous. Que le Seigneur soit miséricordieux envers vous, fils, fille de Dieu, surtout parce que c'est dans laquelle que nous vivons, c'est dans lequel que nous vivons. J'ai l'habitude de toujours faire cette erreur, vous allez m'excuser. Ouais. Dans ce temps dans lequel que nous vivons, vous allez remarquer que non, le diable est en train de vous utiliser comme ses outils. Nous allons continuer ce sujet en attendant que nous puissions avoir les tableaux, les gens qui peuvent nous aider. Si vous avez, hier j'étais là en macro, voir le prix, j'ai vu d'autres tableaux qui coûtent 150$, 120$, 140$, d'autres même plus. Mais nous avons besoin même de ces 120$, ça va nous servir. Même de 100$. Ça va nous aider, vous voyez, pour que nous puissions essayer un peu de parler. Quand on parle ici, on dessine, on tout ça. Même ce qu'on est en train de parler ici, il faut qu'on puisse dessiner ça ici. C'est très important, vous voyez, que nous puissions avoir notre tableau à nous. Vous voyez, donc nous voulons partager cette bénédiction ensemble. Si Dieu te touche, que tu peux nous acheter les tableaux. Et donc, c'est ça, et que nous puissions continuer avec l'idolâtrie et le culte des créatures, là où ça a pris, ça a commencé à expliquer ça avec des versets bibliques, peut-être d'autres choses qu'on n'avait pas encore lues. Ouais, lundi dimanche prochain, si on a les tableaux, on continue avec l'idolâtrie. Si on n'en a pas, on continue avec ça. Mais j'espère qu'on va continuer d'abord avec ça, terminer ça. Ouais, il y a une fille de Dieu qui me dit, il y a aussi ça, quand tu as dit ça, tu as dit ça. Ouais, donc je vais aussi terminer. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons terminer et vous donner votre place avec des chapitres qui ne parlent que de vous, de filles de Dieu, pour voir comment est-ce que Dieu vous a honoré. Je peux dire même plus que nous. Et le diable vient pour vous tromper. Ouais, avec toutes ces histoires de l'autonomisation pour bafouer Genèse chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 2. Vous comprenez? 9 à 15. Ouais. Que la riche bénédiction de Dieu reste sur nous, soit sur les autres qui en ont besoin. Seigneur, nous en avons vraiment besoin. Que ta miséricorde soit sur nous et que tu puisses nous accorder ce que la chair laisse en paix. Que Dieu vous bénisse richement, qui guérisse ceux qui sont malades. Priez aussi pour moi. Je suis souffrant, je ne peux pas vous mentir.
C'est la grâce de Dieu que je me tiens ici. Donc, voilà. Donc, nous pensons aux déplacés, aux abandonnés, aux délaissés, surtout à l'est et là-bas. Prions pour eux et prions pour nos familles. Tenons-nous les mains les uns les autres, partout où nous sommes, que le Seigneur soit avec nous. Le temps et les moments est vraiment trop dur et mauvais. Mais sa grâce est aussi grande. Vous voyez, si nous restons avec la parole. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Je vous abandonne pour ce dimanche. On s'arrête ici pour le dimanche prochain. Shalom à vous qui êtes en Luanda, en Angola. Shalom à ceux qui sont au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon. Shalom à ceux qui sont en France, aux États-Unis d'Amérique. Shalom. Ceux qui sont dans l'Afrique du Sud, Namibie, qui écoutent la parole, Mauritanie là-bas, il y a d'autres qui écoutent la parole à partir de là. Vous voyez, shalom à vous, qui sont au Cameroun, en Belgique, partout en Europe. Vous voyez, que Dieu vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur.